en fait, je suis pas sûre. Je ferais peut-être mieux de pas y aller. Jody, ça fait des semaines que t'as prévu d'y aller, tu vas pas te dégonfler maintenant? En plus, je connais personne. Peut-être qu'ils m'aimeront pas, et... Cette robe est affreuse. S'il te plaît, on peut rentrer. Respire, ma fille. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Tout le monde t'appréciera, j'en suis sûr. Il va t'amuser et peut-être même te faire des amis. Allez. Tu as oublié ton cadeau. Un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Il a 50 ans et il est très rare. Je suis sûr que ça lui plaira. Allez, t'en fais pas. Tout va bien se passer. Je viens te chercher à 5 heures. Amuse-toi bien. Eh bien, recoucou tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne, sur Beyond Two Souls, la suite de mes aventures avec Jody. Donc, on avait vu lors de l'épisode précédent que c'était plutôt très 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 intéressant, hein. C'est un gameplay vraiment en partie assez sympa, et en plus l'univers est vraiment fantastique. Donc la suite directe, hein, les amis. Salut Jody, entre. Bonjour. Kirsten, tu te dépêches, il faut que j'y aille. Entre, Jody, fais comme chez toi. Salut. Jody, c'est ça? Bien, on est dans le salon, il y a quelques filles de mon école et des mecs pas trop relous. C'est un cadeau pour moi? Cool, merci. Je m'en vais, ma chérie. Prends soin de tes amis et surtout ne faites pas de bêtises, d'accord? Ouais, maman, comme tu veux. Oh, ça y est, elle s'est enfin tirée. Hé, hey, tout le monde, ça c'est Jody. Elle est dans l'unité 4 avec ma mère. Dans l'unité 4? Le service du paranormal. Ouh, et qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu plies des cuillères ou tu parles avec les morts? Non. Des trucs comme ça? Non. Wouh! Allez tout le monde, je vais chercher la bière. Les gars, fermez les rideaux. Les filles, mettez des bougies. Et Jody, t'as qu'à t'occuper de la musique. On va trop s'éclater! Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi faire. On va mettre un truc de ce siècle. Quelque chose qui décoiffe. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Ma mère met plus les pieds dans ma chambre en ce moment. Elle est complètement à la masse. Kirsten, t'es un génie. Jody, t'en veux une? Ouais, je veux bien. Hey, tu t'étouffes ou quoi? Je parie qu'elle a jamais bu d'alcool. Non, c'est pas la première fois. Si ça, on va croire. Thank you.
C'est la seule à danser en fait. C'est bon ça. Ah non. Salut, moi c'est Matt. Jody, c'est ça? Je crois que je t'ai jamais vu, Obey. Tu suis pas de cours sur la base? Je suis un autre programme, avec un prof particulier. C'est plutôt rasoir. J'ai jamais l'occasion de voir personne de mon âge. Mais bon, je suppose que j'y suis habituée. Alors, tu bosses avec la mère de Kirsten? Ouais. On travaille dans le même labo. Elle a pensé que ce serait une bonne idée que je vienne pour passer un peu de temps avec des personnes de mon âge, alors... me voilà. Avant, j'habitais à Londres. Et puis on a emménagé ici il y a 2 ans. Et toi? Où est-ce que t'habitais avant? Sur la base. En fait, j'y ai toujours habité, j'y suis même née. Est-ce que t'as des loisirs? Des trucs que tu fais pour t'éclater? Moi, je surfe dès que j'en ai l'occasion. Et je joue dans un groupe avec des potes. Et toi, qu'est-ce qui te branche? Ça va te sembler super rasoir, mais... Ben, j'aime beaucoup lire et... J'aime le sport. En fait, je peux pas quitter la base, alors ça limite un peu mes choix. Jolie, j'ai un truc à te demander. Pourquoi t'es dans l'unité 4? J'ai pas envie d'en parler. Désolée. Merde, je suis trop con. J'espère au moins que je t'ai pas trop contrarié. Non, okay. Ça fait rien. Oh, cool, un slow. Est-ce que t'as envie de danser? Ouais. Aïe. Désolé, on dirait que la danse c'est pas trop notre truc. Ça fait rien. Tu sais, je parie qu'on te le dit tout le temps, mais t'es super mignonne, je te dis. Est-ce que tu dis ça à toutes les filles que tu croises? T'es pas comme les autres filles que je connais. Il y a quelque chose de spécial chez toi. Je peux pas savoir à quel point. Pourquoi Jody nous ferait pas une petite démonstration de ses super méga pouvoirs? Non, excellente non, idée, je serais curieux de voir ça. Laissez tomber, c'est juste des conneries. Ouais, vas-y Jody, montre-nous ce que tu sais faire. Alors Jody, prête pour une démonstration? Non, j'ai pas de pouvoir. Qu'est-ce que je vous disais? C'est qu'une mytho.
Bon, allez les gars, c'est l'heure de manger ce délicieux gâteau et surtout d'ouvrir mes cadeaux d'anniversaire. En fait, le gâteau attendra, je préfère ouvrir mes cadeaux. Bisous, Jen, joyeux anniversaire. Oh, c'est trop mignon de ta part, je parie que c'est décollant. Un string ! C'est exactement ce que je voulais. Comme ça, tu piqueras plus ceux de ta mère. Et t'amélioreras tes chances de trouver un mec potable. Mon prochain copain ne manquera pas de te remercier pour avoir rendu sa vie plus excitante. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un vieux bouquin ? Oh, ça sent le moisi. C'est un livre très rare, un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan qui ? Quoi ? T'as piqué ça dans la bibliothèque de ton grand-père ou quoi ? Non, non, c'est un livre très ancien. Ouais, comme ta robe, on dirait. Non, sérieux, c'est ça ton cadeau ? J'arrive pas à croire que tu sois venue à mon anniversaire pour me donner cette vieille merde. Elle se croit trop intelligente. Mais c'est juste un rat de laboratoire. Exactement, un sale rat de laboratoire. Ouais. En plus, elle m'a suivi comme un petit chien toute la soirée. Elle attendait que ça. Oh, alors c'est une salope aussi. J'avais pas envie de l'inviter, moi, c'est ma mère qui m'a forcé. Ouais, c'est une salope. En plus d'être une sorcière. On devrait peut-être la punir pour ça. Et qu'est-ce qu'on fait aux sorcières ? On les brûle. Ah ! Chopez-la ! S'il vous plaît, arrêtez. Oh, maîtresse des ténèbres obscures, montre-nous tes super pouvoirs. Moi, c'est abusé ce qu'il lui fait. Pitié, sortez-moi de là. Je vous en supplie, pitié, laissez-moi sortir. Pitié. Quelqu'un a parlé de gâteau. Pitié, je veux sortir de là. Pitié, faites-moi sortir, je vous en supplie. Ouvrez-moi. C'est pas cool. Je veux sortir d'ici. Pitié. Mais ils ont pas vraiment été cool les autres ados avec, hein. Eh ben, voilà, rien demandé, hein. Un participant d'anniversaire lui apporte même un petit cadeau. Bon, c'est vrai qu'un livre, c'est un cadeau un petit peu plus banal que les autres, mais bon, c'est quand même gentil. Faut... C'est bizarre, les gens, des fois. Arrête, Aiden, c'est ta faute si on a des ennuis, alors arrête.
Il remplace le docteur Matthews. C'est lui qui va s'occuper de toi à partir de maintenant. Il a l'air très gentil. Vas-y, il veut te rencontrer. Allez, dépêche-toi. Attends ici, trésor. Très attachant ce personnage de Jody quand même. Hein. Bonjour Jody. Approche. Je m'appelle Nathan. Nathan Dawkins. Je me suis dit que ce serait une bonne idée qu'on discute, toi et moi, pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux. Enfin, si ça ne t'embête pas trop, bien sûr. Oh non, non, ça va. Jody, tu vois mon travail? C'est d'étudier les événements bizarres et d'essayer de les comprendre. Comme les choses qui arrivent autour de toi. Tu vois, Jody? Ta maman m'a raconté que tu avais un ami invisible. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est avec toi, cet ami? Depuis ta naissance? C'est un fantôme? Ou alors l'esprit de quelqu'un qui serait décédé. Est-ce que tu peux le dessiner? Ça t'ennuie si je regarde? Alors, cette chose, c'est ton ami, et il est relié à toi avec une espèce de cordon. Est-ce qu'il est avec nous? Je peux lui demander de faire quelque chose. Tu lui dis ce qu'il doit faire et il obéit? Non, je dis pas à Aiden ce qu'il doit faire. Il décide tout seul. Il est comme un lion en cage. On est attachés tous les deux. Il peut pas s'en aller. Et ça le met très en colère. C'est pas de ma faute. Je voudrais qu'il parte moi aussi. Il y a des fois où il peut vraiment faire très peur. Est-ce que c'est lui qui t'a fait ça? C'était les monstres. Première rencontre.
En tout cas, moi, j'approuve vraiment ce lien que vous avez avec, avec Jodie. Il est très prenant, je trouve. Et on arrive vraiment à aimer son personnage et se fondre dedans totalement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment exceptionnel. La chambre. Tu étudieras et dormiras ici pendant 3 ans. Ta formation commence demain à 5 h, soit à l'heure. Tu vises, tu tires, et tu vas te remettre à couvert. Ok? Dégage! Dégage de là! Remets-toi à couvert! À couvert! Dépêche! Dégage de là! À couvert! Tu vises! Tu tires! Allez, vas-y! Excellent, Johnny. Ok, recrue. Débarrasse-toi de ces barils de pétrole.
C'est quoi ce bordel? Zaiden, il fait que me défendre. Fallait-il lui d'arrêter Holmes, maintenant? Il est à deux doigts de la tuer, la merde. Ça suffit, Aiden. Je vais bien. Alors t'as plutôt intérêt à expliquer à ton truc que c'est un entraînement et qu'il est censé tuer personne. Écoute, je dis pas à Aiden ce qu'il doit faire. Il est comme une bête sauvage, c'est pas un animal de compagnie. Si quelqu'un me fait du mal, il fera tout pour me défendre. On continuera ça demain. Là. Voilà. Bouge-toi un peu, recrue. Tu fais pas ton putain de footing du dimanche. La guérir, la soigner quoi. Souffle un peu, reprends-toi, et ensuite réessaie.
C'est bien ça comme entraînement, j'aime beaucoup. Ça c'est fait. Voilà. Pas mal, Jody. Mais si c'était pas un exercice, tu serais déjà morte. Si c'était pas un exercice, tu serais même pas capable d'ouvrir ta grande gueule, Ryan. Félicitations, Agent Holmes. T'as réussi. Bienvenue à l'agence. Merci, monsieur. Ouais, Jody. Bienvenue à l'agence. Eh ben, au directeur, très ici. Bon boulot, Jody. Toutes mes félicitations. Parfait, ça. Et ben voilà, le petit entraînement est fini, c'est pas mal, ça s'est plutôt bien déroulé dans l'ensemble, je suis content. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo si vous avez quoi que ce soit à dire, et puis bah quant à moi, on se retrouve très vite pour la suite, allez, portez-vous bien, et à bientôt, ciao tout le monde.